Les crédits FIFA 18 sont enfin disponibles sur IG Vote. 6% de réduction avec le code AXOSKILL. Lien dans la description. Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec Allo Paradise. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour s'affronter. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de partir avec une équipe beaucoup moins forte que d'habitude. Puisqu'on va partir avec cette équipe les gars, et le thème du jour ça sera une équipe skill africaine. On a placé bien sûr le Baldé Diaw Keita qui est disponible depuis, depuis deux jours. J'ai fait son SBC et je vous conseille d'ailleurs de le faire parce que sa carte sur le papier est juste énorme. Et je vais le tester dans cette vidéo. Bon bien sûr je ne le mettrai pas MC, je le mettrai en buteur, je changerai de dispo in-game. Le reste de l'équipe, on retrouve beaucoup de Sénégalais, on retrouve beaucoup de Congolais et on retrouve Okocha bien sûr en version Prime Icône, hein, le meilleur joueur de l'équipe. Et puis voilà, je ferai sûrement des changements pendant la partie si certains joueurs ne me plaisent pas. J'ai mis quand même Salah sur le banc, on a Mahrez rouge, on a Sadio Mané rouge, on a Aboubakar également en uniforme. Et puis voilà les gars, bah écoutez, j'espère que l'équipe vous plaît. Voilà, c'est original comme d'habitude. J'espère que vous aussi, vous avez fait des équipes originales parce que je vous ai tweeté mon équipe les gars. Et si vous n'êtes pas des petits salauds, vous allez me proposer aussi des équipes originales. Allez les gars, c'est parti pour les invitations. Allez, nous allons jouer contre Art44 pour ce premier match qui nous propose une équipe à 98 de collectif. Ok, donc tu nous proposes cette équipe avec Bolasi, Di Maria et Ben Arfa. Carole en pointe, ouais pourquoi pas. Franchement, je suis pas fan du tout du joueur, mais pourquoi pas. On va voir ce que ça donne avec cette équipe. Elle est pas fameuse, hein. Il y a des joueurs, c'est pas terrible. Regarde les fans de frappe qu'ils font, 15 mètres. Oh non, ils sont nuls. Quoi? C'est incroyable. J'ai jamais vu un arbitre aussi méchant. Oh putain, la poisse. Oh, la seule occasion, hein. La seule, les gars. Alors, c'est dur, hein. Alors là, c'est... Déjà que c'est injouable, mais avec une équipe comme ça, je vous dis pas. Oh non! Oh putain, allez! C'est pas terminé! Oh le vieux but, je suis désolé, franchement, il y avait que ça à faire. La difficulté, les gars, franchement, ne faites pas mon équipe d'entrée, je vous le dis, vous allez vous prendre la tête, c'est tellement faible. L'arbitre qui coupe l'action, bah écoutez, c'est la galère. C'est la galère, c'est tellement faible, les gars. L'attaque est pas mauvaise encore, mais putain, les milieux et la défense, c'est une catastrophe. En plus, on n'a tellement pas été chanceux, on a pris un rouge imaginaire. J'ai voulu faire une feinte de frappe, ça a fait faute, j'ai pris un jaune. Et à la faute d'après, bah, je fais pas exprès, quoi. Du coup, je prends un rouge dès la 8ème minute, du coup, ça a plombé un peu le match. On va s'en refaire plein de toute façon, les gars, mais je pense que cette vidéo, on va vous encourager. Là, je me retiens pour le moment, mais au bout d'un moment, je vais plus pouvoir me retenir. Bon, mais du coup, vu que notre ami Bolasi a pris un rouge, on va être bouffa, là, on reste dans le thème, mais en plus, on a un joueur 5 étoiles. Allez, nous allons jouer contre ADX360. Kourou Squad. Et toi, tu blagues pas, tu nous proposes cette équipe et tu veux que je fasse quoi? Je vais rien pouvoir faire, moi, avec ma team. Ah ouais, il blague pas, il fait des grands... Oh là là, je vais me faire niquer. Et là, je vais prendre des clips, c'est sûr, les gars. Ah ouais, mais tu peux rien, même les bons enchaînements, ils sont là, mais il n'y a rien à faire. Et regarde comme ça va vite devant, je peux rien faire, les gars. Elle est belle, elle est belle. Bon, on n'a pas trop skillé, mais le but est joli quand même, l'action est pas mal. Allez. Oh, c'est dommage. Il y a Coco de chat qu'on voit. Oh là. Oh là! Oh putain! Bien joué, franchement, j'ai rien pu faire. Bon, allez, vas-y, on est joueur, on fait tirer le gardien. Il va penser que je fais une panenka. Oh non! Je suis trop joueur, je suis trop gentil.
Bon, c'est terminé. Grand bien joué à toi parce que t'étais vraiment chaud. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. J'ai joué vraiment beaucoup plus sérieusement que d'habitude parce que sinon, je prends 5 buts. Hein. C'est clair et net parce que c'est pas bon derrière. C'est affreusement lent. Et le grand sec là, il est spécial à jouer. Il est très grand, très physique, mais il est hyper lent en fait et maladroit. On fait comme on peut les gars, franchement c'est compliqué. Bon, on va réinviter Kenny, on l'avait invité la semaine dernière et il est à nouveau parmi nous. Kenny 3428. Bon, on aura réussi à mettre quand même quelque chose de pas mal avec cette team. Keita Baldé Diao qui nous met un ciseau à la CR7. Ah, il était quand même un peu moins haut, hein. il était limite à 30 cm du sol, mais en tout cas le but est joli les gars et ça fait plaisir. Oh, pénalty. Oh, pénalty arbitre. Oh, la honte de pas siffler là. Quelle honte. Oh non. Oh, il siffle là maintenant. Eh, c'est incroyable. Ah, puis là, tu siffles encore, hein, putain. Eh, l'arbitre, il a fait un côté match avant. Oh non! Putain, mais... Oui! Le but d'Okocha! Oh, le match, les gars, le match référence. Il va falloir puiser des ressources dans ce match-là, parce qu'il va nous vraiment mettre en confiance. Et c'est vrai qu'on a mis deux jolis buts là. Bon, c'est terminé les gars, le match référence comme je disais, on a mis deux jolis buts, bien joué à toi en tout cas. Il a joué le jeu jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas eu d'action, mais ça joue ce qu'il a fond et ça fait plaisir. Allez, on va jouer contre Speed Enzo 4. Et tu nous proposes cette équipe avec Neymar, Vitinho, Izinho et Ben Arfa en joueur 5 étoiles. On retrouve Milinkovic Savic également, très grosse carte que j'ai pas testée. On va le prendre. Mais les mecs savent pas faire autre chose que des fautes. Je suis dessus, je fais ce qu'il faut défensivement, mais le mec fait faute en fait, c'est des bouchers. Oh là là, putain. Oh, je me fais humilier, mais c'est horrible, mais c'est même pas de ma faute, c'est les joueurs qui puent la merde quoi. Est-ce que je peux aligner une passe? C'est possible! En plus, lui, il la récupère, mais non, ça lui revient dessus. C'est ça que je comprends pas. Moi, dès que je mets le pied, ça lui revient dessus sur son joueur. T'as bien vu que je mets le pied sur le ballon? Faut arrêter! C'est quoi ce jeu de mort, là? Oh, ça m'a rendu fou, là. Franchement, non, mais le jeu, il est quand même grave. Hein. Tu te demandes si c'est pas fait exprès, il y a des moments. Qu'est-ce qu'il fait, là, aussi? Bah bien joué, mais non, mais après il n'y a rien à dire, l'abonné a super bien joué. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai pris un but de fou, j'assume, mais les contres, tu ne peux rien faire et ça me foire mes matchs parce que je m'agace et du coup je me concentre plus. Allez, on va jouer contre Matteo 59. Faut m'expliquer, hein. Faut vraiment m'expliquer. J'ai envie de rager de ouf, hein. J'ai envie de pousser des grands hurlements, mon vieux. Ah non, mais ça me rend dingue, les gars. J'en rigole, là, mais putain, le jeu, il rend fou, en fait. C'est automatique. Ah, ça lui revient encore dessus. Ça lui revient encore dessus. Ça lui revient pas encore dessus.
marre. Ah, je vais devenir fou. Crise d'épilepsie en direct. Oh, le mec se permet une petite folie comme ça, une petite fantaisie. Mais n'empêche, regarde le contre. Regarde le contre, on va mettre le but. On va mettre le but. Oh non, mais c'est quoi ces trucs de 50 mètres là? Bon, c'est terminé les gars, bah écoutez, on va s'en faire un dernier, je pense qu'on sera bon, alors on sera passé dans tous nos états. Hein. Je joue contre vous, donc forcément, ça me fait plus plaisir de perdre contre vous que contre quelqu'un random, tu vois. Et du coup, au final, c'est pas dérangeant, et j'espère que ça vous fait kiffer, en tout cas, que la vidéo vous fait marrer et que vous passez un bon moment. Allez, pour ce dernier match abonné, nous allons jouer contre Guilou7QT. C'est la première fois qu'on joue contre, donc bienvenue à toi. Et puis peut-être que si tu joues bien et que t'es mignon, on s'en refera d'autres. En tout cas, je retiens les pseudos, les gars, des gens qui sont vraiment... qui jouent le jeu, voilà, qui jouent le jeu et qui sont vraiment 100% skill. Bah, tu nous proposes cette équipe, du coup, avec Grisou pour faire des tornados. Monsieur, celui-là, il est beau aussi. Heureusement qu'on avait JJ Okocha, parce que... ça aurait été pauvre, hein. Après, c'est pas forcément lui qui a mis tous les beaux buts, mais il déclenche tout, en fait, hein. En même temps, une carte à 90. Oh, merde. Eh, je peux rien faire, je suis tellement... Oh là là, le bâtard. Ça méritait de rentrer, bien joué, hein. Bien joué de dribbler le gardien. Allez, c'est terminé, les gars, on va se laisser lapsus sur ce dernier match. Merci à vous pour vos matchs. C'était vraiment un pur plaisir, et comme je disais, on est passé dans tous nos états, et je sais d'avance... que la vidéo va être bien quand je vais la monter. Peut-être que je me suis agacé, mais ça va être marrant. Et c'est le principal. On aura inscrit des jolis buts. Vous aussi, vous aurez inscrit des jolis buts. Et franchement, ça me fait plaisir parce que ça part dans mon état d'esprit. Et c'est le plus important. Donc, je vous remercie encore. Les gars, on en refera. Vous inquiétez pas, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux et dans YouTube, hein, dans les vidéos, hein, par exemple. Hein, je vous le dirai la veille de ces matchs abonnés. J'ai ma petite idée pour demain. Donc, vous pouvez me dire pour les prochaines. Hein. Demain, j'ai un thème déjà. C'est une vidéo un peu, je vais pas dire surprenante, mais vous allez pas trop vous y attendre. C'est un truc un petit peu différent d'habitude. Ça sera pas du gameplay. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire pour lundi, la prochaine vidéo, ce que vous voulez. Et dans ces cas-là, je partirai sur vos idées. Allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit donc à demain. Ciao tout le monde.